So it's not the first one that you show me. He's not in white. Bye. D'accord. Bye. 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 C'est où? C'est là l'entrée? And someone just gave us the free ticket. Allez-y, monsieur, ma collègue sur le. Regarde, l'autre il va pas y croire. How can we get in here? Transé avec les tuyaux et c'est fondé sur ces romans sci-fi et j'ai envie de faire cela. Et moi j'ai fait un petit série de tuyaux avec Josh Bean qui s'appelle The Numbers. Et ça permet de faire tournage maintenant à Londres. Les filles super puissants à l'âge de. Qu'est-ce qui se passe dans les cerveaux? Il y a un mec qui une photo avec Homme. Et parce que j'adore les écrivains, parce que les écrivains sont la fondation de tout cela. Sans les écrivains, qu'est-ce qui se passe? Rien. C'est toute la télévision de la réalité. C'est toute. Parfait. Bon bah, santé. Oh, make a photo with Patrick. Ah oui. And you. The good entry is here. Go! Par là? Le selfie avec le masque. The driver being shown here in the 70s when I was a kid, I was like, one day if I could go inside, I would never believe I would watch something I did inside here. So for me, goosebumps. Hello. Amazing. Well, welcome. We're so happy you're Thank here. You. And where did the idea for this story come from? Yes, you can try some music comes at the same time. Which life like bike, not a white bike, for the light yes. Sight, bike, pressing on the gas, supernova for the night, like dreaming that bike, right? I was looking at the critics, the jury. C'est le monde des séries de demain, accompagné de notre journée. Tu marches avec elle, au bout d'un moment, t'en as un peu plein le fion. Ah, elle marche, mais elle est super contente. Hein. Mais c'est pas du tout le même fonctionnement. Ouais, moi. Oh non, pas trop. Un peu, mais. Mais les gens, ils se fendent la gueule en fait. Elle dit bonjour, ils se fendent la gueule. Après, elle va se mettre à courir. Un moment, elle est partie. Alors, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'il en fait rencontre cette belle femme qui la met dans la merde, en fait. En fait, je suis très, très fan de la femme aussi. Et moi, je suis très fan de Charlotte Lebon. Elle est belle, elle est extraordinaire, c'est une super comédienne. Et je trouve que notre duo, c'est super ensemble. Ouais, c'est tout et son contraire, quoi. Oui. Et en fait, il parle de femmes très fortes, en fait. Est-ce qu'il y a des femmes inspirantes qui vous ont inspiré, Thelma et Louise, ou il y a d'autres héroïnes des séries? Ouais, je sais pas. Non, je me suis inspirée d'un homme. Et puis moi, je me suis inspirée de toutes sortes de femmes différentes. En fait, c'était ça. Lola, c'était une femme qui était plein de sortes de femmes différentes. Donc, il n'y avait pas une femme en particulier, mais en termes de duo fort, c'est sûr que Thelma et Louise, c'était la première référence, quoi. On a... Mais toi, c'est Thelma et moi, c'est Louise. C'est clair. Thelma... Non, c'est moi, Thelma. Mais Thelma, non. Thelma, c'est Gina... C'est ça. Moi, c'est Gina. Moi, je suis Gina Davis. Mais du coup, tu es Thelma et moi, je suis Louise. Oui, c'est ça. Parce que Louise, c'est sur... C'est sur Sarah. C'est sur Sarah, je suis Susan. Ça, c'est Thelma. C'est Gina Davis. Merci. Thank you. Au revoir. Oh.
bon. Mina ? Ouais. Elle a tourné. Oh là là, il cartonne. Hein. Alors, welcome au producteur de Cheyenne et Lola. On va découvrir la série ce soir ici à Cannes dans la Lumière Theater, ici. En tant que producteur, qu'est-ce que ça fait? Parce que d'habitude, les séries sont faites pour des gens, pour le voir chez eux. Donc, qu'est-ce que ça vous fait en tant que producteur de pouvoir présenter ici? Est-ce que c'est important pour vous que la série ait une résonance à l'international et pas juste à vous? Bah, écoutez, on est ravis de pouvoir présenter la série ici parce que c'est vrai qu'on est tous en manque d'événements un peu festifs. Et cette série représente un travail de nombreuses années. Et donc c'est pour nous une récompense de pouvoir montrer la série dans un tel écran ici. Et est-ce que l'international c'est très important? Vous pensez maintenant à l'international quand vous faites une série ou vous pensez juste à home et éventuellement ça pourrait bien marcher à l'international? Merci à tout le monde, c'était vraiment un super soirée Pink Carpet. À tout à l'heure pour la projection Cheyenne et Lola. Good. Il a le style, hein?